Wow. Ah, c'est rien. Allez. Viens, Antoine. Et viens là. Allez, Antoine. Eh, c'est bien, mon grand. Allez. Tu vois, ça casse déjà. Pas bon? Cool, il est dans le bon coup. Ah, il est dans le bon coup. Vous avez vu votre rejeton? Oui, yeah, c'est bon. Allez, Thomas, c'est bien. Allez. Il y avait Florian là, copain du pôle d'Antoine. Ah. Tu vois un peu, là, ça revient en France. Oh, super. T'es bien Antoine, pas trop hein. Pas trop Antoine, pas trop hein. Ah oui, ça droite, évident, c'est en face. Ouais. Allez Antoine, allez mon grand.
C'est bon. Ça va se faire sur le circuit après là-bas. Et finalement, c'est parti de bonne heure. Hein. Oui. Ah, oui. Oui. Alors que l'an dernier, ça arrive au sprint. Hein. Tu veux un bidon ? Ah, ça roule plus là. Ah bah oui. Cool. Ils sont piégés, Pontefract. Bon bah les gars, ils sont résignés. Hein. C'est le dernier groupe ça? Oui. Et on sera même à plus de 6 minutes. Hein, pour ouais, ça, ouais. Oh, ça roule gentil là. Il est en train de casser la croûte là. Il est en train de manger. Ah, c'est bien. Il va lancer le bilan. Non. Eh, c'est bien. Le bilan, il a demandé. Et là, pour donner le bilan, il faut mettre de l'autre côté ouais, cette fois-là. Ouais, parce que de l'autre côté. Ça roule plus derrière là. C'est complètement relevé là. Ça y est, ça ouais. Ceux qui arrivent, ouais. C'est la tête. Ils gueulaient en 3 parce que souvent les gars roulaient, ne roulaient plus, ça s'arrêtait. Comment gueuler quoi. Comment voilà. Gueuler devant les parents et puis après.
Quand il a été sélectionné en cadet pour ce qu'on appelle les interrégions, c'est en gros c'est les fédérales. Quand tu vois du braquet, il est pas, c'est pas plus avantageux. Je revois son père. Allez Antoine, allez mon grand. Ah même pas là. Même pas. Hein. Le tour, donc prochain tour de passage. D'accord. Il me semble, ah non, c'est le troisième tour qui a été doublé, ça. Ah, la 30e. Ça vaut le sens. Donc, moi j'étais. Allez Antoine! Donc pour les concurrents, allez, pour le peloton principal, donc ce sont les garçons qui arrivent juste derrière les 20 de tête. Hein. Ce sont les coureurs qui sont. Les coureurs étaient sortis, apparemment ça revenait derrière, on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, avec, ça devrait être l'arrivée de l'épreuve. Voilà, avec le sprint maintenant et l'arrivée donc pour l'épreuve avec. C'est Igor Imbert. Donc avec Igor Imbert pour le coureur du CC Nogent-sur-Oise, hein, qui l'emporte, coureur junior. Donc pour le garçon là qui s'est imposé, c'est lui qui avait pris quelques.